Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, grand moment car enfin j'ai reçu ce colis numéro 2. Colis numéro 2 arrivé. Je vous dis pas que ça a été une galère pour le récupérer, c'est affolant. À savoir que aujourd'hui j'ai reçu le numéro 2, mais il y a quelques temps, j'ai reçu le 3, le colis, donc numéro 3 et numéro 4. Voilà. Donc, on va s'occuper aujourd'hui du colis numéro 2. Donc, pour cette vidéo, il y aura deux numéros. Donc, je vais rapprocher les numéros, hein. Là, je vais en faire deux. D'ici quelques temps, j'en ferai. Là, aujourd'hui, on va faire la partie 3 et la partie 4. Et très prochainement, il y aura la partie 5 et 6. Et ensuite, on enchaînera les numéros. Voilà. Donc, partie 3. Donc, nous avons notre détail de pièces. Alors, hop, on va regarder tout de suite en partie 3 ce que nous allons faire. Donc toujours franchement très très bien détaillé, j'adore leur façon de d'expliquer le montage. C'est franchement, c'est clair, net, c'est très précis. C'est non, j'adore, j'adore franchement. Bon, ils ont encore des efforts à faire au niveau des envois. Ouais, je vous dis pas que j'ai un peu les nerfs avec ça, mais honnêtement, au niveau qualité des pièces qu'on va voir tout de suite ensemble après, au niveau explication, c'est du top. Malgré que bien sûr que ce soit tout en anglais, mais franchement, je l'ai dit sur les dernières vidéos, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc notre pas à pas. Que voici avec un petit test assez sympa pour la fin du montage. On va regarder ce qu'il y a au niveau du stage 4. Donc voici le détail de nos pièces. Nous avons encore des LED et les parties donc de la soucoupe. Hop. Donc notre étape 4, donc plein de petits détails à installer, des LED encore à poser, donc il va être vraiment très très lumineux ce vaisseau. Je découvre en même temps que vous là, parce que j'ai même pas eu le temps de bien regarder. Ouais, non non, assez sympa. Donc encore des tests aussi à la fin de l'épisode 4. Voilà. Eh bien écoutez, on passe tout de suite aux pièces. Voilà. Alors, avant de commencer les pièces, de regarder les pièces, cadeau avec le colis numéro 2, une très très grande boîte de rangement, donc avec un petit sticker dessus sur Star Trek Next Generation. Donc assez sympa. La boîte par elle-même est très très intéressante puisque les compartiments sont carrément modulables au niveau des petits là. Donc ça permet de pouvoir ranger les vis, voire même certaines pièces en modulant comme on veut, comme on peut voir ici. Là, hop, on les place comme on veut. Non, c'est franchement très 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 beau cadeau. Voilà. Allez, on va regarder les boîtes, les pièces. Donc, les pièces pour notre numéro 3, les voici. Donc, nous avons un petit circuit imprimé ici avec le boîtier de pile qui va être à monter, comme on peut le voir ici. Donc, nous avons les différentes pièces. Hop, ça, je vais le mettre là. Je pense qu'à l'origine, il devait être là. Et puis, tout un tas de petites pièces à installer, dont
des LED aussi et qu'on va monter tout de suite. Donc ça, c'était pour le numéro 3. En numéro 4, alors là, nous avons un très grand plateau avec plein de petites pièces dont les petits détails, comme on peut voir ici, qui sont à clipser, donc ici. Oui, là, ça fait peur parce qu'il y en a. Waouh, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Les mêmes, mais en transparent, donc qui vont venir toujours pareil ici. Les fameuses. Je crois que c'était les nacelles de sauvetage, ça. Qui vont venir, bien sûr. Ici, nous avons encore un jeu de LED et des vis. Allez, on passe au montage. Exécution. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre boîtier à piles que voici. Alors, on va s'occuper de cet endroit. On prend un écrou qui est dans un petit sachet. Hop. Et on le place tout simplement ici. Voilà, comme ceci. Alors, étape suivante, on récupère donc cette pièce qui est ni plus ni moins le, bah, disons le capuchon hein, de cet écrou. On le place par-dessus, comme ceci. Et on va y mettre bah, deux vis BP. Alors, hop. On prépare nos vis. On est parti. Je peux vous dire que, sincèrement, je désespérais sur cette collection à tel point que j'étais même à deux doigts eh bien de l'arrêter puisque impossible de recevoir mon colis numéro 2. C'était hallucinant. Hallucinant. Tel point que le premier n'est pas arrivé. Je les ai contactés, ils m'en ont renvoyé un deuxième qui n'est pas arrivé non plus. Donc là, je me disais, c'est bon, on arrête là. On arrête là parce que c'est pas la peine. Et miracle, aujourd'hui, il est arrivé. Voilà, comme quoi, tout peut arriver. Bon, alors, étape suivante, on va récupérer trois piles. Donc des piles triple A. On va les insérer comme ceci. Ouais, dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Alors, voilà qui est fait. Étape suivante, on vient prendre donc le couvercle. Alors, hop. Et on vient refermer. Alors, par contre, ça, peut-être pas trop évident. Voilà. Ouais, c'est bon. Ensuite, dans le sachet où il y avait l'écrou, on a une vis pour venir fermer ce couvercle. Voici. Voilà qui est fait. Alors, en étape suivante, on va poser ça de côté, on vient récupérer ces deux pièces-ci.
Alors, bah, pas trop de choix, hein. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Voilà, on les assemble. On va préparer une vis BP. Et on va fixer le tout. Donc là, nous avons le petit trou pour la vis. Voilà qui est fait. Alors, étape suivante, nous allons récupérer cette pièce-ci. Nous allons prendre cette pièce qui va venir alors à l'intérieur, comme ceci. Tout simplement. Et on retourne le tout. Oui, on retourne le tout. Et on va mettre deux vis toujours BP. Ce qui est bien sur ce numéro-là, c'est que on a qu'un type de vis. Donc on peut pas se tromper. Et on vient fixer la première partie. Alors, comme d'habitude, attention au serrage quand même parce que ça reste pièce plastique avec pièce plastique. Voici. Alors, étape suivante, bah, tout simplement, on vient récupérer cette pièce que l'on vient positionner à cet endroit-là. Et encore une fois, avec nos vis BP, nous allons la fixer. Voici ce que ça donne, donc côté intérieur et l'extérieur, ouais, c'est sympa, franchement, assez sympa. Allez, on va passer à la suite. Donc pour la suite, on va préparer ça déjà. Hop, on le retourne. Oui, en plus, on le retourne bien dans ce sens-là. Hop. On va faire une petite préparation de vis et nous allons installer nos LED. Donc notre câble avec nos deux LED qu'il faut bien sûr séparer. Hop. Donc, alors, on va essayer de respecter. Je pense qu'il n'y a pas trop d'importance. Mais alors, nous avons une partie qui est creuse et la partie qui est un peu plus haute ici. Donc, la partie un peu plus haute, oh là là, c'est dur aujourd'hui, va vers le haut et on va prendre la LED avec le câble jaune et vert. On le positionne donc ici, comme on peut le voir, on a un petit carré qui va venir réceptionner notre LED. Par-dessus, on prend cette pièce-ci qui va tout simplement maintenir la LED en place, comme ceci. Et on fixe le tout toujours avec nos vis BP. Voilà qui est fait. Donc ensuite, eh bien, on fait pareil de l'autre côté. Voici. Hop.
le petit cache. Voici qui est fait. Donc nos LED sont à l'intérieur. Alors, étape suivante. Tiens donc, j'ai peut-être oublié quelque chose là. Je pense. Non. Il semble bien que ça doit venir comme ceci. Bon, je vois pas. C'est peut-être une erreur. Bon, on verra plus tard. On va la laisser de côté. Voici. Donc, alors, étape suivante. On récupère notre circuit imprimé. Alors, sur chaque plot, ben, vous avez des lettres. Et là, on vous dit de connecter le circuit imprimé sur le plot F, donc en bas à droite, voici, et on va connecter, donc on va faire un petit test sur cette coupelle. Toujours des gros problèmes avec ce système. Ouais, ça marche. Regardez ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une partie de pénombre. Voilà, il y a un peu moins de lumière. On va le connecter. Voilà. Alors, franchement, ça fait top. J'adore. Très, très beau résultat. Voilà. Alors, hop, pour celui-ci, on va le mettre de côté et on va récupérer notre montage que nous avions fait donc au numéro, je suis en train de m'apercevoir d'un truc là. J'ai une LED qui est partie, non, visiblement non. Je sais plus si cette LED là c'est normal. Je regarderai plus tard. Donc hop, on va positionner ça comme ceci. Alors, il faut, hop, bah, du coup cette LED là, on va la mettre comme ceci. Donc nous en avons 1, 2 et 3. 3 connexions à faire. Donc A, B et D. Alors ça, nous avons le B qui est ici. Voici le A. Donc à côté. Voilà, et le C qui est ici. Voilà. Donc, voici qui est fait. Hop, on va mettre ça là. On va rapprocher un peu comme ceci. Voilà. Et on va connecter. Alors là, il manquerait plus que ça ne fonctionne pas. Hop. Allez, regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Donc hop,
Ça, on va le mettre en dessous. Ça change pas. Non, voici. Donc, ouais. Très, très, très beau résultat quand même. Non, franchement. Bon, j'ai attendu longtemps, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, ben ça, c'était notre étape 3, donc. Et maintenant, nous allons passer, eh bien, tout simplement, au numéro 4. Alors, pour ce numéro 4, donc, on va récupérer cette plaque. Donc, plaque plastique. Ces pièces, donc, on va les libérer. Voici, et donc là tout simplement hein, on les vient les positionner. Alors hop, le petit trait rouge va vers le bas comme ceci. Voilà, juste une simple pression et ça tient. Donc, voici ce que ça donne. Bon, quand j'ai dit que ça tient, non, ça tient pas énorme. Hein. Pas exagéré non plus. Alors, ensuite, on va retourner le tout. Voici. Et nous allons installer, alors, ces pièces-ci dans les... Bah, je pense que c'est les fenêtres hein, sur les petits hublots. Et nous en avons aussi des transparents qu'il va falloir venir selon le schéma. Alors, hop, nous avons notre description ici. Après, je sais pas si ça a vraiment une importance. Hein. Bon, je vais suivre ce qu'ils nous disent, mais je sais pas si on veut, par exemple, que le premier soit transparent. Je sais pas si ça a vraiment une importance, mais on va suivre exactement ce qu'ils nous disent. Allez, on est parti. Donc voici qui est fait. Alors je vais pas m'amuser à le retourner hein, parce que vous imaginez bien le résultat que ça va donner. Allez,
On va passer à l'étape suivante. Donc c'est assez long, hein, mais bon, ça se fait bien quand même. Alors, par contre, oui. Alors, on prend notre plaque. Donc, vous avez deux plaques avec ce numéro. Il y en a une où il y a l'encoche pour deux LED et une autre avec trois LED. Donc, c'est celle où il y a deux LED. Donc, on va positionner ça comme ça. Je vais remettre ça par ici. Délicatement, je vais pousser ça. Alors, on va prendre notre jeu de LED qui correspond bien. Alors, nous avons ici 2, ici 2 et ici 2. Bah écoutez, nous avons du B, je revérifie, du B et du B. Donc, vous avez trois jeux de LED, elles ont toutes la même description. Donc, c'est bon, on va prendre celle-ci. Alors, hop, on va positionner ça comme ceci. Alors, je sens que là, on va s'amuser, puisque d'après ce que je comprends, il faut positionner ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, il faut venir. Alors, comment je vais faire? Il faut venir mettre cette pièce-ci par-dessus, donc en retournant, en mettant ça comme ça. Partie pas évidente là. Hein. Bon, on va faire ça comme ça. On va positionner le cache ici. Voilà, on va essayer de le mettre bien en place. Ah là 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 là. Et voilà ce que je voulais pas faire. Voilà, bon. Allez, on va essayer de pas faire la même bêtise. Donc, hop. Ça va comme ceci. Voilà. Donc, maintenant que c'est positionné, je vais essayer de rentrer mes LED à l'intérieur. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Ouais, je suis pas trop trop fan du système là des petits compartiments. Ils auraient pu faire des plaques qu'on vient mettre directement dessus. Ce serait plus simple parce que c'est pas top top comme on peut voir. En plus, il faut que manipuler dans un sens, dans un autre. Et un accident, comme on a pu le voir, peut vite arriver. Voilà, bon. Allez, on va prendre maintenant trois vis BP que nous allons placer à cet endroit qui va venir maintenir le tout. Voilà. Et ce que je vois, c'est qu'il y en a encore pas mal comme ça à faire. Bon, après, une fois qu'on prend le coup, ça va. Ah, j'ai ma LED qui ne tient pas. Pas grave, on va la remettre après. Voilà. Bon, alors. Pourquoi? Celle-ci ici.
c'est un petit jeu quand même à ce niveau là voilà, et on va mettre l'autre à son emplacement comme ceci. On va serrer un peu plus. Voilà, non, ça veut pas tenir. Bon, sinon, je pense qu'une petite pointe de colle peut faire le taf, juste pour maintenir les LED. Je m'aperçois qu'ici, j'en ai un qui est à l'envers. Bon, je rangerai ça après. On vient récupérer cette plaque. Et bien sûr, on va faire pareil. On va venir installer tout ça. Donc tous les petits détails, encore une fois. Donc je pense que ce que je vais faire, sinon ça va être vraiment trop long, je monte tout ça. Donc nous avons cette étape là et ensuite nous aurons celle-ci aussi à faire. Je vais tout faire d'un coup et on revient tout de suite après. Donc voici le deuxième panneau d'installer. Donc c'est très long à faire, très minutieux. Bon, mais avec un peu de patience et du calme, on y arrive. Voici. Donc ça, c'est notre deuxième panneau de fait. Alors, on va passer au troisième et dernier panneau pour ce numéro 4. Donc le voici. Lui, par contre, il est en métal. Alors, hop, quand on le met comme ça, oui, nous avons cette pièce-ci. J'ai eu peur. Donc cette pièce-ci à venir coller. On va retirer le petit double face de protection. Pas pour vous, mais moi j'ai toujours une grosse galère à les enlever. Voici. Ouais, et je crois même que il est tellement bien collé. Voilà. Alors, hop, on va essayer de le prendre comme ceci et on vient le mettre à cet endroit ici. Voilà. Alors étape suivante, tout simplement on vient récupérer 4 nacelles hop, on va faire comme ça, on va récupérer 2 ici. Voilà, hop, ça on va le mettre de côté et on va prendre ces deux là. Hop. Voilà. Donc on va installer nos nacelles. Donc elles vont dans ce sens là, donc toujours le petit trait vers le bas. Que j'en ai oublié une. Comme ceci. Voilà, elles sont toutes dans le même sens, c'est bon. On va récupérer la dernière, puisque c'est pas 4 mais 5 nacelles qu'il faut. Voilà, si. Le petit trait vers le bas, comme ceci. Hop, je vérifie que je me suis pas trompé. Non, c'est bon. Donc, hop, on vient prendre là, on vient le poser sur la face de façon à voir l'arrière. On va récupérer donc cette plaque, celle qui a 3 LED.
Donc la dernière qu'on a montée, on vient la positionner ici par-dessus, comme ceci. Ouais, non, c'est bien ça. Truc, oui, non, c'est bien ça. C'est bien comme ça. Donc, hop. Et on va le fixer avec des vis DM. Donc, deux vis épaulées. Et voici notre deuxième. Hop, on va retourner le tout et voici ce que ça donne. Ah, ça fait un bel ensemble quand même. Ouais, très très bel ensemble. Alors, hop, on va revenir avec nos essais. Donc toujours pareil, hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on va connecter tout ça ici. Ici, voilà. On va récupérer la première plaque. On va la connecter aussi, hop, sur notre circuit imprimé pour faire notre petit test. Alors, voilà, donc ça, j'ai rien oublié. Donc là, sur cette plaque-là, nous avons encore une LED en attente. Est-ce que vous voyez bien? On va rapprocher ça comme ça. Voilà, on va couper un peu la lumière, allez. Et regardez ça. Par contre là, il y a un truc que je comprends pas trop. Ah non, c'est ça, en fait, voilà, je vais mettre ça comme ça, je vais cacher celle-là. J'aurais vu ça un peu plus éclairé. Et en fait, non, c'est juste pour... voilà. Non, non, ça va. Ça va. Ça, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait excellent. Excellent. Non, pourtant, je me suis pas trompé. Je regardais des fois que je me sois trompé dans les dans l'emplacement des LED. On peut le voir. Donc en fait, ouais, voilà, l'éclairage au niveau des hublots, c'est vraiment assez léger, ce qui est pas mal quand même, parce que si ça crache de trop, on peut plus bien le regarder. Non, franchement, ça, ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour ce numéro 3. Et ce numéro 4, on va se quitter sur ce bel effet de lumière. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao !